ik werk in de kerncentrale van Doel en ik zit in de dienst Document Management. Je suis instrumentiste et je travaille à la centrale nucléaire de Tihange. Ik werk op de dienst externe communicatie van de kerncentrale Doel. Je suis chimiste. Ik ben verantwoordelijk voor dosimetrie en stralingsbescherming medische cel in de kerncentrale van Doel. Je suis agent SRP. Sécurité, radioprotection. Ik werk op de kerncentrale in de dienst Fuel. En dat is de dienst die bezig is met de splijtstof. Je bent entré là novice. En ça fait 25 ans que j'y suis. En maintenant je suis contremaître adjoint. Ik bereid te werken voor onderhoud op de turbines. Je suis data manager SAP. Je travaille au service engineering support à la centrale de Tihange. Ik ben instructeur in het opleidingscentrum in Calouen. Je suis assistant de direction. Ik werk momenteel in de kerncentrale in Doel in het engineering support department. Je suis responsable d'une équipe de radioprotection à Tihange. Ik heb eerst gestudeerd als licentiaat natuurkunde in Leuven en daarna als burgerlijk ingenieur in natuurkunde in Gent. Je fais des études en graduat en chimie. Je fais un graduat en technologie informatique. Ik heb communicatiebeheer gestudeerd en daarna een postgraduaat journalistiek. Ik heb een diploma graduaat elektromechanica. J'ai eu l'opportunité de rentrer à la centrale. Au départ au service généraux, c'est le bal de l'échelle. Dus in de tijd in 1973 zocht men naar een verpleegkundige die ook ergens een technische bagage had. J'ai laissé mon CV sur le site Electrabel même et c'est la centrale de Tihange qui m'a contacté en disant qu'ils étaient intéressés par moi. Op de website van VDAB zag ik vacature voor Electrabel en ik had er onmiddellijk voor gesolliciteerd eigenlijk. En de volgende dag had ik al antwoord dat ik mocht komen op gesprek. En ik had het voordeel dat ik voordat ik mijn studies van verpleegkunde, dus humane richting, had gedaan, had ik dus eerst A2 elektronica gedaan. En dat was dus mooi meegenomen. En ik heb ook een master in nuclear engineering gevolgd. Dat is een extra opleiding specifiek voor het nucleair in Mol. J'ai travaillé sur le site d'Electrabel en tant qu'intervenant externe. On m'a parlé donc de postes qui s'ouvraient. J'ai postulé et j'ai eu la chance donc d'y rentrer. Ça fait deux ans maintenant que je suis là. J'ai 45 ans. Je me suis dit, lorsque j'ai postulé chez Electrabel, c'est peut-être trop tard. Electrabel est une entreprise qui existe depuis très longtemps. Je pensais tomber dans une équipe avec des personnes, je vais dire, déjà plus âgées par rapport à moi qui n'ai que 24 ans. Ils étaient preneurs d'avoir des gens d'expérience, comme des gens qui débutent, qui sortent de l'école, qui fait qu'on a une certaine homogénéité dans le travail, quoi. Directement, j'ai eu des opportunités d'améliorer des chantiers. Et ça, ça m'a plu tout de suite. Ce qui m'a beaucoup attiré chez Electrabel, c'est que la fonction qui était présentée demandait que l'on exerce des tâches très diversifiées. On n'aime pas trop la routine, surtout en radioprotection. C'est vraiment un boulot qui varie de jour en jour. Ik heb doorgroeimogelijkheden gekregen. Of genomen. Allee, dat is gelijk dat je het bekijkt eigenlijk. Electrabel is sowieso een boîte waar heel veel mobiliteit gewoon tot de cultuur behoort. Ik geef heel veel opleiding, maar daarnaast is ook nog wel een beetje tijd om zelf opleiding nog te volgen. Het is constant bijscholen, want ik ga toch regelmatig om de drie jaar naar de Unif om bijscholingscursussen te volgen op het gebied van wat er in de wereld op inwendige besmetting, berekeningen vooral. Ik ben tout frais dans l'entreprise, mais au vu de ce que j'ai vu, oui, il y a des possibilités de progresser. C'est surtout pour ça que je suis là, en fait. Une fois que je suis rentré à Centrale, j'ai été pris en main par deux anciens. Ici, dernièrement, on a dû engager des jeunes ouvriers. Et là, c'est un réel plaisir. C'est enrichissant pour moi, parce que j'en ai quelque chose directement. En dat probeer ik ook altijd mee te geven aan de jonge generatie. Eigenlijk zou ik al op pensioen kunnen gaan. Dus, probeer toch nog een beetje door te doen omdat ik het zo graag doe. En tout cas, les formations que j'ai suivies jusqu'à présent, ça me permet vraiment d'évoluer et de mettre en place des petites pistes d'amélioration qui me facilitent la tâche à moi et à mes collègues tous les jours.
La priorité, c'est la sécurité dans l'emploi. Il y a moyen de possibilité de changer de service ou d'évoluer au sein du même service. Évoluer is een stuk van mijn bestaan. Ik moet kunnen veranderen. De sfeer die is daar heel goed. Dus ik zou eigenlijk met die mensen gerust willen verder doen tot aan mijn pensioen. Ja, zeker weten. Voor mij is dat duidelijk een verandering van functie, maar ook voor mij persoonlijk een verrijking. Dus een mogelijkheid om iets anders te doen, om met mensen te werken. En ik ben daar persoonlijk zeer blij mee. Les offres d'emploi internes sont en quantité un an plus manqué. Het feit dat Electrabel deel uitmaakt van de groep GTF Suez is een heel goede zaak, denk ik. Omdat binnen die hele grote groep circuleert er heel wat ervaring en kennis ook over het nucleaire. Faire partie du groupe GTF Suez, c'est faire partie d'un grand groupe qui a des ambitions clairement affichées. Donc ça représente une sécurité pour tout un chacun. Le groupe GTF Suez a l'intention de développer l'énergie nucléaire dans d'autres pays. Ça pourrait être intéressant de faire part de mon expérience à l'étranger. Centrale ervaar ik geen stress door de veiligheid of zo, omdat ik ervan overtuigd ben dat zowel qua design, dus qua ontwerp van de kerncentrale, als de manier dat we ermee omgaan door procedures, door aandacht te besteden aan het gedrag van de mensen, dat we daar wel mee omgaan om ervoor te zorgen dat er eigenlijk geen gevaar kan zijn voor de veiligheid. Niet voor ons, wij die op de centrale werken, en ook niet voor de mensen die rond de centrale wonen. Tous les services sont concernés par la sécurité. On ne peut pas dire qu'il y ait une part de sécurité. C'est quelque chose d'important, primordial, et je crois que ça rentre bien dans les mœurs de chaque intervenant. Ça ne les perturbe pas de devoir suivre certains rythmes de procédure, des fois oui, sévères, mais nécessaires. Le travail le plus simple, entre guillemets, ou plus complexe, demande un niveau de sécurité. On ne peut pas se permettre d'avoir des écarts sur la sécurité qui engendrent des défauts, voire peut-être même un incident. Wij worden eigenlijk heel nauwlettend in de gaten gehouden door nucleaire instanties, de overheid onder andere ook. Ja, er is geen marge om fouten te maken bij ons. Alles is ook voorgeschreven, alles wordt gecontroleerd. Ook in de installatie is alles 2, soms 3, soms 4 keer beveiligd. In geval als er iets uitvalt, dat er iets anders overneemt. Allee, ja, ik ben daar heel gerust in. De prime abord, ça pourrait générer un stress, mais par la suite, quand on comprend que les procédures sont un outil, ça peut aider. C'est un soutien assez efficace, je pense, les procédures. Évidemment, on doit avoir un stress positif et certainement pas partir à l'aventure dans une centrale nucléaire. Niemand mag op zijn eigen houtje iets ondernemen. Er zijn regels over hoe je het moet doen. En er zijn altijd andere mensen bij die mee controleren of mee kijken van gebeurt het wel op de juiste manier. En dan vooral proactief en preventief proberen te werken. Dus lessen die je leert uit bepaalde zaken en situaties om te voorkomen dat het zeker uit de hand zou lopen. Je me suis beaucoup posé la question personnellement vis-à-vis du nucléaire. Je me rends compte qu'à l'extérieur, les gens parfois stressent un peu. Allee, heb jij daar geen schrik? En word jij daar niet bestraald? En dus dat er dikwijls dat de mensen van buitenaf de kerncentrale zien als iets onbekend, iets gevaarlijk. Die denken allemaal dat wij zoals in de Simpsons met vaten aan het rollen zijn. Mais je crois qu'ils ont peur un peu de l'inconnu aussi. Ils ne savent pas comment ça se passe à l'intérieur. Maar een keer dat je dat uitlegt en dat je uitlegt hoe dat alles met veiligheidsbarrières en meerdere malen is uitgevoerd naast elkaar en dat er over verschillende scenario's is nagedacht. Eens dat helemaal is uitgelegd, komt dat wel in orde. Probeer die mensen ook wel altijd een gerust gevoel te geven. Nu moet ik ook zeggen dat die vraag tegenwoordig minder en minder komt. Si je devais conseiller à quelqu'un de venir travailler dans le nucléaire, oui, je lui dirais qu'il y a aucun problème, que tant qu'on respecte les normes de sécurité, qu'on respecte les procédures, etc., il n'y a aucun problème. Je vais vous dire quelque chose. Je suis entré dans une centrale nucléaire, j'ai des idées écologistes, et je le suis resté, et il y en a beaucoup en centrale nucléaire. Et quel est le but? C'est de travailler le plus proprement possible, en se disant, moi, j'ai des enfants, et j'ai des petits-enfants, ils sont dehors, et je dois travailler convenablement. J'explique aux gens que, fatalement, avant de vouloir supprimer le nucléaire, il faut trouver une alternative
qui soit viable. Mais bon, il y a toujours des personnes qui préféraient voir des éoliennes que du nucléaire, mais en leur expliquant, ils se rendent compte que oui, c'est pas possible, quoi. Et quand je suis rentré, je veux dire, dans le giron du nucléaire, ça m'a fait vraiment plaisir parce que je me suis dit, tiens, il existe encore quelque chose qui me permet de pouvoir dire à mes enfants, écoutez, la société va de l'avant, quoi. Ça permet aussi alors, dans l'entourage ou point de vue privé, d'expliquer et de donner, je vais dire, entre guillemets, une meilleure image que ce que les gens pourraient avoir, ou en tout cas d'essayer de casser les a priori que les gens ont contre le nucléaire. En ik ben er dan ook van overtuigd dat kernenergie een must is in deze tijd. En réunion de famille, je dis souvent que quand la lumière s'allume, ben, c'est grâce à nous. Je me rends compte qu'on doit non seulement fournir de l'électricité pour des endroits comme ici, magique, pour des entreprises, mais aussi pour la maison. En fait, je suis très attachée à mon métier parce que j'adore ce que je fais et que je m'y plais toujours autant et que j'investis beaucoup d'énergie, c'est le cas de le dire, à faire ce que je fais tous les jours. Ik zou mensen zeker aanraden om bij Electrawel te gaan werken, zeker op de kerncentrale van Doel. Waarom? Omdat ik denk dat daar een goede sfeer is, dat je heel goed omkaderd wordt. Er is veel tijd voorzien voor opleidingen, zodat de mensen zich nooit alleen voelen. Ze voelen zich gesteund. En ik werk er graag, dus waarom zij niet? Als zij de nodige capaciteiten hebben, zou ik hen zeker aanraden om te solliciteren in de kerncentrale of bij Electrawel. Want het is wel een firma met toekomst. Binnen de groep GDF Suez zijn er heel wat mogelijkheden voor heel wat profielen om ergens anders eigenlijk ook ervaring op te doen binnen het nucleaire. Il n'y a pas photo, quoi. Que ce soit au niveau du travail, au niveau des conditions, on est mieux chez Electrawel. Et continuer à éclairer le stade pendant longtemps, je pense. Et puis en toute sécurité, hein, c'est le mot d'ordre. C'est comme ça que je vois mon avenir.